Alors, le plan que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle la zone de fouille. En fait, elle fait partie de l'ensemble du chantier de la plage des Eaux Vives, sur lequel nous savions déjà depuis beaucoup d'années qu'il y avait un site archéologique conservé. Et ce site archéologique conservé, actuellement, est en train d'être étudié, donc fouillé complètement, de manière à libérer le terrain pour la suite des travaux. Qu'est-ce que vous avez découvert? Expliquez-nous en deux mots. Qu'est-ce que vous avez découvert? Alors là, on est sur ce qu'on appelle une station lacustre, une station palafitique. Et sur ce type de site, on a la chance de trouver conservés des pilotis. Or, ces pilotis, c'est en fait les fondations des maisons, les fondations des cabanes. Et l'étude de ces pilotis nous permet de reconstituer le plan du village, le plan de l'ensemble des maisons, éventuellement les palissades qui protégeaient le village contre les vagues de tempête. Et surtout, on peut les dater très précisément à l'année près, ce qui permet d'avoir une évolution du village et donc une approche extrêmement fine par rapport au mode de vie, par rapport au rythme de construction et au rythme de l'habitat sur ce site-là. Est-ce que vous avez rencontré jusqu'à maintenant des difficultés vis-à-vis du temps qu'on a eu, mais autrement, dans les difficultés avec la matière? On en verra ça par la suite après. Ce que je peux vous dire, c'est que d'habitude, j'ai l'habitude de faire des fouilles archéologiques en plongée. Les fouilles en plongée, ils posent d'autres problèmes, d'autres problématiques. Et dans le cas particulier, c'est vraiment la première fois que j'ai un aussi gros chantier en terrain sec. Enfin, sec, c'est relatif, dans la mesure où on se trouve à 3 mètres en dessous du niveau du lac, dans un caisson de pale-planche, où on a asséché la zone, mais malgré tout, il y a toujours de l'eau, il y a toujours des ruissellements. Et en fait, c'est l'eau qui nous pose le plus de problèmes au niveau du travail de tous les jours. Jusqu'à maintenant, avec toute cette pluie qu'on a eue à Genève, ça vous a posé problème? Alors, pas particulièrement. La pluie qu'on a implique un peu plus de ruissellement à partir de la terre. Mais bon, la chose est gérée par des pompes. Le problème, c'est qu'on travaille dans de l'argile, et de l'argile glace ou lacus, qui est extrêmement meuble dès qu'on commence à travailler dessus avec une pelle mécanique. Et donc cette argile pose pas mal de problèmes pour avoir toujours une surface de fouille qui soit propre, qui soit visible, où on puisse voir les traces et les vestiges. Alors maintenant, expliquez-nous en deux mots qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va voir maintenant ensemble. Alors ce qu'on va voir, alors je ne sais pas encore ce qu'on va voir parce que ça change tout le temps, mais normalement ce que l'on essaie de repérer jour après jour, ce sont les traces de pilotis, donc qui peuvent être conservées sur plus de 2 mètres ou 3 mètres de hauteur. Et dans certains cas même, quelques centimètres simplement, dans la mesure où le terrain a été érodé, le terrain a été usé par le lac. Et ce qui nous intéresse, c'est leur position, leur datation, et ainsi de pouvoir reconstituer l'ensemble du village après cette étude. J'ai vu que vous travaillez avec des lumières, pas des lumières, mais ce qu'on utilise pour faire des relevés, c'est des caméras, c'est des... Non, alors bon, là, on travaille avec des moyens en fait techniques assez simples. On fait des mesures au théodolite pour avoir des coordonnées précises de chaque observation. On fait bien sûr des photos de documentation, ça c'est normal avec des appareils classiques. Mais en fait, les techniques de fouille sont assez classiques par rapport à ce qu'on fait, aussi bien en terrain lacustre qu'en terrain totalement terrestre. Le site mesure combien à peu près tout l'ensemble? Alors, l'ensemble de la station fait à peu près dans les 120 mètres d'extension dans un sens est-ouest. Et à peu près une centaine de mètres dans un sens bord large. Donc c'est une station qui, à l'origine, donc là on n'en fouille que la moitié, parce qu'il y a encore l'autre moitié qui se trouve sous le quai actuel, qu'on ne pourra pas fouiller. Et donc on a une surface potentielle à étudier de l'ordre de 5000 mètres carrés, un demi-hectare. Et sur cette surface-là, j'estime qu'on aura à peu près 0,3 hectare de site archéologique qui sera étudié. Je ne sais pas si on a parlé de la date à peu près de jusqu'à quand ça a été créé. Alors, donc ce village, on a la première date, et c'est assez étonnant à Genève d'avoir une date de 2602 avant Jésus-Christ. Et on a eu cette date, il faut le dire, le jour de l'escalade, donc 1602 après Jésus-Christ. Et donc on est à peu près, on est dans le troisième millénaire, je dirais dans le milieu du troisième millénaire avant notre ère, ce que l'on appelle être le néolithique final. On avait déjà fouillé il y a quelques années, en 2003, on avait fouillé sur une toute petite surface, mais beaucoup plus haut, un site comparable, mais beaucoup moins étendu par rapport à l'étude qu'on en a faite. Et lui, il était daté entre 2947 et 2791 avant notre ère. La matière que vous sortez, que vous envoyez près de Neuchâtel,
C'est des pieux. C'est quoi? C'est déjà des fossilisés ou pas encore? Alors, on ne peut pas parler de fossiles. On ne peut pas parler de bois fossile qui serait minéralisé. Donc, c'est du chêne principalement. C'est quasiment que des pieux en chêne qui étaient l'essence la plus fréquente à l'époque d'une part et d'autre part la plus adaptée pour des constructions architecturales. Donc, quand on les arrache du terrain, quand on les prélève, ensuite on les décrit, on les photographie, dans certains cas on les dessine, on les mesure, et ensuite on en prélève un échantillon, une rondelle, qui va être envoyée au laboratoire roman d'endochronologie de Cudrefin, au bord des lacs de Neuchâtel, et eux, alors, vont les mesurer précisément cerne après cerne, je dirais anneau de croissance après anneau de croissance, et vont pouvoir déterminer l'âge d'abattage de chaque bois. C'est comme si on coupait un tronc puis qu'on mesurait les veines pour savoir l'âge de l'arbre. Alors tout à fait. Sauf que mesurer l'âge d'un arbre, c'est une chose. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir que l'arbre avait 50 ans ou 200 ans quand il était abattu. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la date de son abattage. Et pour ça, il faut le faire en comparant des centaines, voire des milliers d'échantillons qui permettent de remonter jusqu'à l'époque actuelle et ainsi d'avoir ce qu'on appelle une courbe dendrochronologique précise. Alors là, on voit véritablement deux types de surfaces. Il y a d'une part des surfaces recouvertes de blocs assez anguleux qui ont été déposés dans les années 1920 à peu près pour construire le quai Gustave-Adolphe. Et devant nous, on a une zone de sable qui est un sable détritique aussi, mais qui était accumulé vraiment par les courants et qui s'est accumulé sur une épaisseur qu'on ignore mais qui doit faire au moins 50 cm à 1 mètre. Et qui est donc un apport récent en liaison avec la construction des quais et de la digue que l'on a derrière nous. Alors là, on est vraiment sur la zone de fouille. On est actuellement sur un couloir de 10 mètres de large dans lequel on racle tout ce qui est sable et les matériaux de surface pour arriver sur l'argile. Et ce matin, par exemple, dans l'argile, on a trouvé des pointes de pilotis extrêmement courtes, ce qui nous indique qu'on est dans une zone très érodée, mais malgré tout, on a des vestiges qui nous permettront de compléter le plan du village. Ça, l'appel mécanique n'abîme pas? Non, alors l'appel mécanique, c'est vraiment un professionnel. Il travaille aussi bien de manière très grossière qu'il s'agit d'enlever les cailloux, mais de manière extrêmement fine, quand on est véritablement sur le niveau archéologique qui nous intéresse. Tout le site est marqué par des bouts de bois. Hein? Alors, il y a... Délimité, hein? On a deux types, on a deux à trois types. De repérage. On a d'une part des cordelettes qui sont tendues entre les pales planches pour définir les couloirs qu'on peut mettre. Ça, c'est des points de repère, je dirais, assez grossiers. Et chaque fois qu'on trouve un objet, un pilotis, un élément archéologique intéressant, on met tout de suite un petit piquet en orange pour le situer. Et ensuite, on met une étiquette plastique numérotée dessus et on le mesure avec un théodolite pour avoir sa position exacte au centimètre près. Ça, c'est la méthode qu'on applique sur tous les chantiers archéologiques. Il faut que chaque observation, vestige ou simple observation, soit signalée en trois coordonnées d'un système de référence. Voilà, le problème qu'on a, c'est qu'on est sur l'argile, mais sur cette argile, il y a encore des galets, des pierres roulées, qui sont, elles, d'époque préhistorique. Donc, qui ne sont pas forcément en place, mais il faut vraiment qu'on observe très soigneusement ces zones-là, si on ne peut pas... de rater quelque chose, une information, non directement à l'objet archéologique. Alors là ici par exemple, on vient de sortir un pilotis, une pointe complète. Là il fait à peu près 1 mètre de long maximum, mais bon, on peut en avoir des de près de 3 mètres et d'autres qui font vraiment que quelques centimètres. Mais en fait, c'est des bois qu'il devait avoir à l'origine quand il faisait partie d'une maison, il pouvait avoir jusqu'à 4, 5, voire 6 mètres de longueur. Et c'est tout du chêne, donc c'est une essence extrêmement fréquente à l'époque dans la région, mais aussi extrêmement solide. Et il date de combien, là, à peu près? Alors celui-là, je ne peux pas vous dire, on ne l'a pas analysé, mais normalement, il doit dater au moins de 2600 ans avant Jésus-Christ. Étant donné qu'on a trouvé une palissade qui était datée de cette époque... À mon avis, c'est un morceau de pilotis. J'ai l'impression que ça doit être des éléments de maison qui sont antérieurs à la palissade, et que la palissade a été construite pour protéger le village, et vraisemblablement, elle était construite après. Donc là, on peut dire que ça a quasiment 3000 ans à peu près. Alors là, c'est un élément, c'est ce qu'on appelle un bois couché. Donc c'est un élément qui n'était pas planté dans le terrain. Comme il n'était pas planté dans le terrain, on a une interrogation de savoir s'il est contemporain du site
ou s'il vient peut-être d'un autre site plus en amont et qu'il aurait été amené par les vagues. Donc là, on va l'analyser. Vous voyez ici, on a ce qu'on appelle l'aubier, donc la couche extérieure du bois. Donc si on a l'aubier, on a des chances de pouvoir avoir une date dendrochronologique beaucoup plus précise. Et ça nous permettra de savoir si c'est un élément du site néolithique ou si c'est éventuellement un élément d'un site plus récent, par exemple de l'âge du bronze final, qui lui pourrait dater environ de 1000 ans avant Jésus-Christ. Le 225, azimut 322,50, distance 123,356, angle vertical 101,88. Alors, bon, là on a des pieux qui ont déjà été échantillonnés, qui ont déjà été étudiés, et on voit très bien en fait le type de taille qui a été pratiqué. Donc on a par exemple des longs enlèvements ici et qui ont été faits avec une hache en pierre. On arrive très bien à faire la différence entre un travail à l'âge de bronze ou à l'âge de pierre. Et donc c'est significatif d'un pieu qui a été travaillé au néolithique, en particulier au néolithique final. Il date de combien? Alors celui-là en particulier, il était daté comme ayant été abattu en 2602 avant Jésus-Christ. Donc il a à peu près 4600 ans. Alors ici, c'est un élément de bois qui était coupé, qui était déjà échantillonné, donc pour l'analyse dendrochronologique. Et donc c'est du chêne. Et aujourd'hui, le chêne, quand il était conservé plusieurs milliers d'années dans l'eau, l'intérieur est complètement noir, donc gorgé d'eau, et l'extérieur, c'est ce qu'on appelle l'aubier. Donc c'est le bois qui, au moment de sa vie, de son abattage, était encore actif, dans lequel circulait encore la sève. C'est donc très friable. Alors l'aubier est extrêmement friable. Donc on peut le casser avec le doigt. En revanche, le bois de cœur est extrêmement solide. Et quand on doit les scier, c'est vraiment un travail considérable d'arriver à les scier. Il faut une scie spéciale, très résistante, si on ne veut pas l'abîmer en quelques coups de scie. Alors maintenant, je reviens sur les bois fossilisés. C'est comme ça, mais ça devient de la pierre avec les âges. Alors bon, ce bois-là, pour qu'il soit fossilisé comme on l'entend en géologie, il faudrait qu'il ait un âge de quelques millions d'années, je dirais même au moins 100 millions d'années. Donc là, il n'est pas fossilisé. Il est simplement gorgé d'eau, donc il a évolué. Il date de combien, celui-ci? Alors celui-là, probablement de la même phase que les autres. C'est la phase principale qu'on a déjà étudiée, donc il aurait un âge de 2602 ans avant Jésus-Christ, donc 4600 ans d'ancienneté. Alors tous ces bois sont numérotés, pourquoi? Ah ben, c'est pour pouvoir les reconnaître, parce que chaque bois aura probablement une date d'abattage différente, en plus ils ont des tailles différentes, ils ont des dimensions différentes, des diamètres différents, donc quand on pourra avoir la date pour chacun d'entre eux, on va pouvoir faire un plan qui tiendra compte de ces différentes caractéristiques, et ce plan nous permettra de reconstituer des maisons, de voir quelle était la dimension, de voir si toute la maison a été construite la même année, par exemple, de voir si la maison a été complétée ou rénovée quelques années plus tard, et nous permettra de voir aussi quelle était la durée de vie de la maison. En fait, les maisons du néolithique, elles ont en général une durée de vie d'à peu près une vingtaine d'années, pas beaucoup plus. Et on sait que cette durée d'une vingtaine d'années correspond à peu près à la durée d'une génération. En plus, d'après les études ethnoarchéologiques qui ont été faites, que ce soit en Afrique ou ailleurs, on s'aperçoit qu'une maison construite en bois telle que celle-là ne peut pas subsister beaucoup plus que 20, voire 30 ans. Au bout d'un certain temps, la toiture, qu'elle soit constituée de paille ou bien de plaquettes de bois, va être trop altérée pour être conservée. Et à ce moment-là, on préfère abandonner la maison plutôt que de la rafistoler, plutôt que de la réparer simplement. Alors là, on a sorti un pieu dans un bassin et puis une petite pièce. D'abord, parlez-nous du pieu. Alors le pieu qu'on a ici, qui a donc déjà été échantillonné, c'est-à-dire qu'on en a coupé la partie supérieure pour conserver une rondelle pour l'analyse dendrochronologique. Là, c'est un pieu, je dirais, de taille moyenne, qui est conservé dans le sédiment, dans l'argile, sur un peu plus d'un mètre.
Donc on voit très bien les traces de travail, toujours des traces de travail caractéristiques de l'âge de pierre. Et puis, donc à côté, on a un pieu qui est vraiment très mal conservé. C'est la dernière limite pour arriver encore à le trouver. Mais c'est aussi une pointe qui fait 2 cm de longueur. Mais malgré tout, malgré la difficulté du travail sur le terrain, on a pu la mettre en évidence, on a pu la conserver. Je ne pense pas qu'on pourra obtenir une date d'abattage très précise, mais bon, c'est un élément d'architecture qui a toute sa valeur et qui pourra intervenir dans l'ensemble du plan du village une fois qu'on l'aura reconstitué. Là, vous êtes dit de cette pointe-là, combien d'années? Alors cette pointe, vraisemblablement, elle a à peu près la même date, le même âge que les bois plus importants. Mais là, étant donné qu'on aura très peu de cerfs, on aura très peu de cercles de croissance, je ne pense pas que les dendrochronologues, malgré leur travail, pourront arriver à la dater. Elle fait partie d'un ensemble qu'on pourra malgré tout reconstituer et en faire un ensemble architectural de manière globale. Alors dans les pieux de bois, en particulier de chêne que l'on retrouve, on a vraiment tous les types de dimensions. On a par exemple des pointes qui font plus d'un mètre, voire 2 mètres de longueur, parce qu'elles sont dans une faune bien conservée, mais on peut en avoir des qui font 2 à 3 cm de longueur essentiellement. Et les deux sont intéressantes dans la mesure où c'est des éléments d'architecture qui nous permettent de reconstituer la dimension d'une cabane, sa position et voir son évolution. Et les bois les mieux conservés vont nous donner des dates grâce à la dendrochronologie qui permettront de dater chaque phase du village, chaque phase de reconstruction éventuellement d'une maison et ainsi d'avoir une approche très précise, très intime, très ethnographique, on peut le dire, d'un village préhistorique de plus de 4000 ans avant notre ère. C'est un chantier assez difficile. Hein. On a vu une terre glaise, comme vous avez dit. Pour marcher, il faut faire attention parce que ça s'enfonce très facile. Hein. On ne peut pas voir vraiment si tout d'un coup on met le pied, on s'enfonce hein, dans un terrain comme on a ici. Alors c'est des conditions assez difficiles, des conditions qui sont étonnantes pour moi, étant donné que la plupart des autres chantiers de ce genre, on les a fait en plongée. Donc en plongée, on est toujours en état d'apesanteur, donc c'est à la fois beaucoup plus exigeant parce qu'il y a des conditions de plongée qu'il faut gérer, et surtout en plein hiver, mais d'autre part, c'est beaucoup plus facile de se déplacer sur un site archéologique. Et là, tous les déplacements, que ce soit pour l'appel mécanique ou à pied, nous posent pas mal de problèmes et il faut s'y faire, il faut s'y adapter. Maintenant, là, on a des sacs, et dans ces sacs, on a encore des petits morceaux de pieux. Alors, en effet, dans ces sacs plastiques, on a mis des pilotis, des pieux qui ont été prélevés, qui étaient plus fragiles que d'autres. Et donc, pour éviter d'éparpiller tous les morceaux, on les a mis dans des sacs plastiques avec leur étiquette. Et quand on va les décrire, on va reconstituer autant que possible ces puzzles de bois, de manière à pouvoir les photographier, les dessiner et les décrire de manière convenable. Les numéroter et tout faire remettre ensemble comme c'était dans le temps. Alors voilà, alors bon, c'est très important d'avoir pour chaque observation, pour chaque objet, pour chaque pilotis en particulier, d'avoir un numéro. Donc on a une série d'étiquettes prénumérotées qui sont d'ailleurs des étiquettes qui sont empruntées aux travaux forestiers. Et donc on a un numéro pour chaque bois qui ensuite sera reporté sur plan. Et sur ce plan, on pourra ensuite, avec la datation, on pourra commencer à faire des hypothèses de reconstruction de maisons et d'évolution du village. Alors là, c'est une reconstitution du nuage du néolithique final en particulier, donc la même période que l'on étudie sur ce site. Alors là, la hache, elle est authentique, c'est une hache qu'on a retrouvée sur le terrain. En revanche, le manche, lui, a été reconstitué. Cela dit, sur des sites palafitiques, on peut retrouver des manches en bois conservées. Là, ce n'est pas le cas, donc on l'a reconstitué à l'identique par rapport à d'autres sites. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, le travail du bois, l'abattage d'un chêne, par exemple, avec une hache en pierre ou une hache en bronze, c'est vraiment deux travaux totalement différents. Il y a des techniques différentes. Et il y a eu déjà pas mal d'expérimentations qui ont été faites par des archéologues pour montrer véritablement comment est-ce qu'on peut utiliser une hache en pierre. Et quelle est la difficulté. C'est de la pierre ou du silex? C'est de la pierre. En particulier, c'est ce qu'on appelle une roche verte. C'est une roche qui vient des Alpes, qui a pu être prélevée directement dans les massifs alpins ou alors qui vient de la moraine, c'est-à-dire des galets alpins qui ont été traînés jusqu'ici et qui ont été récoltés dans la région, dans la moraine.
Alors là, on voit vraiment la différence de technologie, on pourrait le dire. Ça, c'est une hache de l'âge du bronze final, donc qui date à peu près de 1000 ans avant Jésus-Christ. Et elle est vraiment extrêmement astucieuse. D'abord, elle a été fondue dans un moule en pierre, dans un moule en molasse, par exemple, en pierre tendre. Et on l'appelle une hache à ailerons et anneaux. C'est-à-dire que les ailerons que l'on voit ici ont servi à mieux fixer la hache dans le manche en bois. Et l'anneau qui se trouve là a été utilisé en fait pour éviter que la pièce se déchausse quand on s'en sert et qu'elle se désolidarise du manche. Donc c'est vraiment une pièce qui nécessite une technologie, une pratique extrêmement développée, extrêmement sophistiquée. Et on pourrait dire que pour l'âge du bronze final, c'est quasiment de la haute technologie. Alors c'est difficile de faire un bilan aujourd'hui, on en est véritablement dans la première phase des travaux. Donc on a travaillé depuis environ un mois et l'ensemble du chantier va durer 4 mois au plus. On est donc limité dans le temps, on est sur un chantier de génie civil qui a tout un planning et donc on a pu obtenir de la part des ingénieurs et des architectes une période de 4 mois pour faire l'ensemble de cette étude. Donc maintenant on en est au début, mais on a déjà des résultats. On a déjà vu qu'on avait une quantité de pilotis impressionnante. Combien ? Pour l'instant, on en a à peu près dans les 150 à 300 qui ont été prélevés. Combien vous pensez qu'il y en a ? Alors, c'est difficile. C'est difficile à dire. En revanche, maintenant, j'ai une estimation qui est provisoire. Je pense qu'il y en a moins de 1000 et j'aurais tendance à penser qu'on en a plutôt entre 500 et 600. État ou en état un peu précaire ? Alors, ça va dépendre. Disons, dans la mesure où on peut les prélever, on a de toute façon une information de qualité. Ensuite, si on a le dernier cerne, s'il mesure plus d'un mètre de longueur, on aurait bien sûr des informations de meilleure qualité, surtout au niveau de la datation qu'on pourra en faire. Parce qu'en fait, la position d'un bois est importante dans le village, mais ce qui est peut-être aussi important, voire plus dans certains cas, c'est sa date d'abattage. Et c'est les dates d'abattage déterminées par la dendrochronologie, donc la mesure des cernes des bois, qui permettront de le dater précisément, en tout cas par rapport à une phase, voire même par rapport à une saison d'abattage précise. Et c'est ce type d'information qui va être le plus utile, dans la mesure où ça permettra de démêler ces plans de pilotis qui sont inextricables, sur lesquels on n'y comprend rien. Mais avec les dates, on pourra déterminer les phases, les architectures de maisons, et ainsi toute l'évolution du village sur une période de peut-être quelques dizaines d'années, voire même peut-être un ou deux siècles. C'est en faisant les travaux pour faire la plage de Genève, les eaux vives, que vous avez découvert ce chantier, ce préhistorique. C'est bien, bien juste. Alors, ce site, en fait, il est connu depuis 1852. Donc, dès qu'on a commencé à s'intéresser en Suisse aux sites palafitiques, aux sites littoraux, aux sites lacustres, comme on les appelait à l'époque, il y a eu toute une série d'observations qui ont été faites dans la rade de Genève, en particulier par un chercheur qui s'appelait Jean-Hippolyte Gosse. Et c'est le premier à avoir signalé des pilotis dans la rade de Genève, qu'il a interprété comme étant des restes d'anciens villages immergés et recouverts par les eaux. Ensuite, lors de la sécheresse importante de 1921, au moment où les lacs de l'ensemble de l'Europe se sont abaissés, parfois d'un mètre, même plus, l'archéologue cantonal de l'époque, Louis Blondel, a effectué un relevé topographique précis de tout ce qu'il voyait dans la rade de Genève. Et c'est là véritablement qu'on a eu le premier plan, encore schématique, de ce village que l'on appelle actuellement la station de la Grange. Ensuite, bien sûr, quand on a fait des prospections dans la rade pour nos travaux récents, on a retrouvé ces pilotis, mais dont on avait de la peine à déterminer véritablement le plan. Et quand ce projet de plage a été programmé et qu'on en a vu sa réalisation, on a tout de suite intégré avec les ingénieurs et les architectes, on a tout de suite intégré les recherches archéologiques dans le cadre de ce programme. Donc c'est une découverte ancienne, mais la connaissance qu'on en a aujourd'hui est vraiment récente et on a des surprises quasiment tous les jours. La ville de Genève ou la municipalité, elles ont été d'accord que vous fassiez ces fonds ou on vous a mis un peu les bâtons dans les roues ? Non, alors pas du tout. Donc c'est un site qui était connu depuis longtemps. Donc les sites qui se trouvent dans le lac dépendent du canton, donc n'ont rien à voir avec les communes, que ce soit la ville ou une autre commune. Et donc on a très vite engagé des discussions, même déjà en 2008, quand ce projet de plage a été prévu, on avait déjà mis en garde les ingénieurs et les architectes ainsi que l'État, qu'il y aurait une station à étudier à cet emplacement-là. Ensuite, véritablement, le programme de travail a été déterminé, je dirais, il y a à peu près une année et demie. Et on a vraiment fait en sorte de collaborer de manière le plus étroite possible pour intégrer ce chantier archéologique dans le chantier de la plage.
Évidemment, l'objectif, c'est que l'archéologie ne retarde pas l'ouverture de la plage en été 2019. Il pourrait le retarder si vous trouvez des choses sérieuses? Alors, pour l'instant, il n'y a quasiment aucune chance qu'on ait des surprises considérables. En revanche, on peut encore avoir plus d'éléments, plus ou moins de bois, des éléments de complications, etc. Mais quoi qu'il en soit, on s'est engagé à terminer ce chantier pour la fin du mois d'avril. Et pour l'instant, je suis certain qu'on y arrivera. Par contre, vous m'avez dit que vous seriez obligé d'arrêter si vous avez des grosses vagues, comme vous avez eu, je crois, la semaine dernière, qui traversent les palans, là, les pales planches. Les pales planches, là, vous devez arrêter. Et c'est un peu un stop dans vos recherches. Alors, on s'est organisé. Bon, c'est pas la première fois qu'on fait des travaux de ce genre dans le lac. On sait qu'on peut avoir des périodes de grosses tempêtes de vent de nord-est. Et donc, si on a des tempêtes de ce genre, évidemment, pendant 1, 2, voire 3 jours, on est bloqué. Et c'est pour cela que, par exemple, on stocke tous les bois prélevés dans un bassin, dans un bac rempli d'eau. Et si on est bloqué sur le chantier, eh bien, on a des travaux d'élaboration, de description à faire. Et on se débrouille ainsi de n'avoir quasiment aucune journée qui soit chômée, dans laquelle on ne puisse pas travailler. Mais on sait maintenant, une question, on sait que si on met du bois trop longtemps, il gonfle, il pourrit dans l'eau. Là, il ne bouge pas. Alors, il y a deux éléments. Il y a d'une part le bois qui a été planté dans le sédiment. Dans le cas particulier, c'est de l'argile. Donc, dès qu'il est dans un milieu où il n'y a pas d'air, où il ne peut pas y avoir de petits vers, de micro-organismes, il va se conserver pendant des milliers d'années. On pourrait avoir un bois préhistorique qui soit conservé pendant 10 000 ans sans problème, à condition qu'il soit toujours dans l'eau et à condition qu'il soit aussi protégé de l'air. Alors évidemment, ces pilotis, il y en a une partie qui émergeait. Alors cette partie, bien sûr, elle est abîmée, elle est usée par les vagues, elle est usée par le sable, elle est souvent mangée par les petits crustacés. Mais cette partie-là, pour nous, est moins intéressante. Mais c'est vrai qu'à long terme, les bois restant dans le lac, la partie qui est en pleine eau, va disparaître plus ou moins progressivement. Eh bien, je tiens à vous remercier pour tous ces commentaires que vous nous avez donnés, qui étaient très intéressants. Aussi, merci pour m'avoir donné l'autorisation parce que c'est un chantier difficile et je vous souhaite alors long travail et puis encore des découvertes et puis je vous souhaite encore bonne chance. Merci à vous.